Some days or weeks back. Some weeks back. Yes, quelques semaines passées. The Lord began speaking to me and began showing me some visions. Le Seigneur m'a commencé à me parler, il m'a montré des visions. It was there, I think it was on a Monday or Tuesday night. Oh, Monday, yes, Monday. C'était un lundi dans la nuit. So he was ministering to me about my feet. Le Seigneur me parlait par rapport à mes pieds. And then the next night. Et la nuit qui suivait. He showed me a clear vision. Il m'a montré une vision très claire. My legs were being crucified with the legs of Jesus. Mes pieds étaient crucifiés avec les pieds de Jésus. And blood was oozing out of the legs of Jesus. Et le sang sortait des pieds de Jésus. But I was not feeling the pain. Mais moi, je ressentais pas la douleur. And the next day, et le jour suivant, it didn't skip one day. Ça s'est pas arrêté en un jour. The next day, le jour suivant, I saw blood. Je voyais le sang. In the form of a cross. En une forme de la croix. Very thick. Et qui était très lourde. Under my leg. Sur mes pieds, sur mes plantes de pieds. Now I've been serving God for years. I've been in ministry for more than 20 years. Ça fait plus de 25 ans que je suis au service de Dieu. More than 20. Plus de 20 ans. Yeah. So but this experience was quite strange. Et cette expérience était un peu étrange pour moi. And God gave me another assignment. Et Dieu m'a donné une autre recommandation. And that's why I'm here. Ah, c'est par rapport à cela que je suis là. I'm not here for your money. Je suis pas ici pour ton argent. I'm not bragging. I'm not too rich. Je ne suis pas très riche pour brandir des choses. Yes, but I'm getting wonderfully rich. Mais je suis en train de je peux parvenir à être trop riche. Alléluia. Amen. But I didn't come here like other blacks who came to get your money. Et je ne suis pas venu ici comme d'autres noirs qui viennent chercher votre argent. Praise God. I didn't come to do business. Je suis pas venu faire les affaires. I came to pray for the land. Je suis venu prier pour la terre de la Turquie. And also to be of a blessing to you. Et d'être une bénédiction pour toi. Amen. Your amen is paralyzed. Ton amen est paralysé. Amen. Donne un grand amen. Amen. This one is on a wheelchair. This amen is on a wheelchair. Cet amen est dans une confortable chaise. A wheelchair, là où les paralytiques se sont. C'est sur le fauteuil roulant. So give an amen that is upstanding. Donne un amen qui est debout comme une personne qui marche. To me. Écoutez-moi. Expectation. L'attente is the mother of manifestation. C'est la mère qui accouche la manifestation. I'm not bragging. Je ne brandis rien. But I've seen blind eyes open. Je suis en train de voir les yeux des aveugles s'ouvrir. I have seen. Je vis les aveugles voir. I have seen lame walk. Je vis les boiteux marcher. God has used me in miracles that have surprised me. Dieu m'a utilisé dans les miracles qui m'ont surpris. You can be here now. Tu peux être ici aujourd'hui. And you miss this moment. Et tu rates ce moment. Because of P R I D E. À cause de l'orgueil. Right. And if you miss this moment, et si tu rates ce moment, you might suffer for the next 10 years. Tu peux souffrir pour les prochains 10 ans. Fais attention. There are opportunities that God will give. Papa, il y a des opportunités que Dieu va donner. And people out of pride. Et les gens à cause de l'orgueil. And familiarity. Et à cause de la familiarité. Will miss it. Ils vont rater cela. And suffer. Et ils vont souffrir. For years. Pendant les années. May that not be your case. Que cela ne soit pas ton cas. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I stand here today. Je me tiens ici aujourd'hui. In my office. Dans mon travail. As a territorial major commander. Comme un commandant territorial. And a professor upon your life. Je prophétise sur ta vie. He will not leave this place the same. Tu ne vas pas quitter ce lieu le même. For the God you serve. À cause de Dieu que tu sais. It's not a dead God. Ce n'est pas un Dieu mort. It's a living God. Il est Dieu vivant. He's the same yesterday. Il est le même hier. He's the same today. Il est the same forever. Il est toujours le même. When God says yes. Là où Dieu dit oui. No man can say no. Personne ne peut dire non. When God lifts you up. Dieu te lève. No man can bring you down. Personne ne peut te laisser. Lift up your hands and shout hallelujah. Amen, dis alléluia. I said lift up your hands and shout hallelujah. Only the next few minutes to speak in tongues. Everybody stand up.
On se met tous debout dans les prochaines minutes. Je veux que tu parles en langue. Speak it. Reste debout, reste debout, reste debout. Listen to me. Écoute, écoute. The Lord told me. Dieu m'a dit quelque chose. I have made you a territorial major commander. Je t'ai fait un major commandant territorial. If you know Cameroon. Si je connais Cameroun. One of them. I mean, I don't want to call names because we are on Facebook. Je ne vais pas appeler les noms parce qu'on est sur Facebook. Les gens peuvent voir but ça. But if you know places that I go when I enter to pray, demons, things. Si tu connaissais les endroits où je suis allé prier, hey. Comment les démons poussaient les pieds à cet endroit-là. I didn't know I'll be here. Je ne savais pas que j'allais être ici. I didn't have a plan to preach on. Je n'avais pas un programme de prêcher dimanche. So I didn't come with a suit. C'est pour ça que je suis venu avec une veste. For the demon out there. Je suis venu pour les démons dehors. Je suis venu prier contre les démons. And because God has handled them. Et parce que Dieu a fini avec eux. They must liberate what belongs to you. Alors il y a quelque chose pour toi aussi. As I speak here, comme je parle ici, the Lord just told me. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Some of you, certains parmi vous, you've been struggling. Peut-être tu souffres. C'est pas peut-être. You've been struggling. Tu es en train de souffrir. And you are not standing. Et tu ne tiens pas debout. You've been here for years. Ça fait des années que tu es là. And the Lord is telling me. Et le Seigneur me dit. As I speak here. Et que je suis en train de parler ici. He will affect and destroy from your village what has hindered your life. Il va détruire dans ton village les choses qui t'empêchent d'évoluer. Villages will be opening. À partir de ce lieu à ton village, les choses vont s'ouvrir. Doors will be destroyed. Les portes vont se réduire. You will hear testimonies. Tu vas entendre les témoignages. You will see things. Et tu vas voir les choses. If I'm talking to you, say amen. Si je parle, dis amen. Amen. Si je te conseille, dis amen. I say, say that amen properly. Dis amen, très bien. Amen, amen. God bless you, sir. I want you to pray in tongues. Je veux que tu pries en langue. I'm seeing the spirit. Je vois dans l'esprit. I've seen years. Je suis en train de voir les années. I've seen years. Je vois les années. I've seen years. Les années. I've seen seven. Je vois sept. Of struggle. Sept ans de souffrance. I've seen seven. Je vois sept. Of struggle. De souffrance. I've seen seven. Je vois sept. Seven. Of struggle. Où quelqu'un s'est battu. And the Lord said. Et le Seigneur dit. Today. Aujourd'hui. After this encounter. Après cette rencontre. That thing will be broken. Cette chose sera brisée. I've seen seven. Je vois sept. Seven. Sept. It will be broken. Ça sera brisé. By the power of the Holy Ghost. La puissance du Saint-Esprit. Lift up your hands and shout hallelujah. Hallelujah. Yeah.
rocha. Y a la 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 sede. Y a colorosia. Y panda la cata. Y para. Clap your hands and pray. I am praying for you. I am praying for you. Clap your hands. Est-ce que quelqu'un peut taper les mains en prière? Est-ce que quelqu'un obéit à la parole? Obéissez bien, mais tapez les mains en prière. Soyez dans la prière en acclamant. Chite prosutea. Soyez dans la prière en tapant les mains. Pendant que tu tapes les mains, les choses se passent. Pendant que tu tapes les mains, les choses se passent. Pendant que tu tapes les mains, les choses se passent. Let me hear that amen like thunder. Que j'entends cette amen comme le tonnerre. Whenever I say in the name of Jesus, à chaque fois j'ai dit au nom de Jésus, let your amen identify. Que ta amen s'identifie. Where I'm standing, là où je me tiens, is high. C'est ton élevé. For you to connect, pour te connecter. If a good amen, si un grand amen, to connect, un grand amen va te connecter. To what I'm releasing over your life, que je relâche sur ta vie. Amen, means. Amen means let it be so. Amen veut dire ainsi soit-il. Lift up your right hand. Et lève ta main droite. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Every satanic altar. Tout hôtel satanique. In my village. Dans mon village. Say with me. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dis avec moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après le pasteur. Lui parle en anglais, vous répétez après moi en français. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Every satanic altar. Tout hôtel satanique. In my village. Dans mon village. In my community. Dans mon village. From wherever. Partout je viens. Standing against my prosperity. S'élevant contre ma prospérité. Scattered by fire. Tu par le feu. Scatter by fire. Scatter tu par le feu. Scatter by fire. Tu par le feu. Clap your hands and pray. Clap your hands. Soyez tous les hôtels sataniques dans mon village qui combat mon programme. Tous les hôtels. Tout hôtel satanique, dans mon village, dans ma collectivité, tout hôtel, le feu, dans la concession, mon père, le feu, tout hôtel satanique, tout le monde, mon père, ça détruit, le feu.
tout hôtel satanique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois consumé de feu. Jesus. Let me hear an amen like thunder. Que j'entends comme le tonnerre. Amen. I said, let me hear an amen like thunder. Que ça sonne comme le tonnerre. Every satanic altar. Tout hôtel satanique. That stood against you. Qui s'est dressé contre toi. That the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. In my office. Dans mon travail. As a territorial major commander. Comme un commandant. Territorial. I command that altar to catch fire. Je commande à cet hôtel d'attraper le feu. Amen. Maintenant, Amen. Any priest, tout prêtre, servicing the altar, officiant sur cet hôtel, I command fire. Je commande le feu. And thunder. Et le tonnerre from heaven venant du ciel to destroy that priest. Et détruit ce prêtre satanique. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Quand il dit. Au nom de Jésus, on doit crier très fort. Amen. Allah Yamana. You have been released. Tu es relâché, tu es libéré. Amen. You have been released. Tu es libéré. Amen. The Lord says to welcome you to your next level. Le Seigneur dit que je t'introduis dans ton prochain niveau. I should welcome you. Tu es le bienvenu à son prochain niveau. Tu es bienvenu à son prochain niveau. Tu es bienvenu à ton élévation. Sois le bienvenu à ton élévation. Élève tes deux mains. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Put them down. Fais baisser tes mains. How many of you feel sick in your body? You feel sick right now in your body? Il y a certaines personnes qui ressentent la maladie dans les corps. Je refuse cette maladie dans ton corps maintenant, au nom de Jésus. Amen. How many of you are feeling sick right now? Combien d'entre vous sont en train de sentir des maladies dans le corps? Let me see your hand. Est-ce que tu vois ta main levée? Tu sens mal, tu es malade, tu as un problème de santé. Put your hands down. Fais baisser ta main. Put your hands down. Fais baisser ta main. You know you can be healed now. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux te guérir maintenant? Amen. If you believe you can be healed now. Si tu crois, tu peux te guérir maintenant. Put your hand up. Lève encore ta main. Tu sens mal quelque part. Lord told me whenever I pray, he will answer. Le Seigneur m'a dit partout je prierai, il m'exaucera. Put your hand where you are sick. Alors pose maintenant la main là où tu sens mal. If it's upon all your body, put it on your head. Si c'est quelque part dans ton corps, si c'est pas sur ton corps, mets ta main sur ta tête. If it's all over your body, si c'est partout dans ton corps, put your hand on your head. Mets ta main sur ta tête. Command that sickness to go. Commence à commander à cette maladie de s'en aller, à cette douleur, à cette peine de partir. Je veux t'entendre partir. Parle maintenant. Dis pas. Dis à la douleur de partir. Dis à ces complications de partir. Dis à ces mal de partir. Dis à cet estomac de partir. Comment ça dit à cet estomac, ces mal de partir? Que ça part. Comment que ça part? À cette douleur au pied, que ça part? À cet estomac, que ça part? Comment à ces mal de partir? Comment c'est parti? Dis pas. By the stripes of Jesus. Au nom de Jésus, pas. By the stripes of Jesus. Parle maintenant sur le Jésus. You were healed. Je t'ai guéri. Alléluia. Comment que ça part? Je te commande parti. La catalogue comment est parti? Je te commande parti. Je te commande. Je te menace. Thank you. Je te menace au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I rebuke every disease. Je menace toute maladie. I curse every infirmity. Je condamne toute infirmité. I curse every infirmity. Je maudis toute infirmité. In your body. Dans ton corps. I command them to die. Je commande qu'ils meurent. Now. Maintenant. Receive your healing. Reçois ta guérison. In the name of Jesus Christ. Jésus. I said, receive your healing. Je dis, reçois ta guérison. In the name of Jesus Christ. Receive your healing. Reçois ta guérison. In the name of Jesus Christ. That disease is gone. La maladie est partie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Let me hear a better amen. Que j'entends amen. Les Congolais, on ne dit pas bien aimé chez vous. Let me hear a better amen. Que j'entends amen. Je sais qu'en Afrique, il y a les Nigériens et les Congolais qui sont
C'est le frère qui fait. C'est bêta, amen. Si tu aimes pas, amen. Allez-y, dis amen. C'est écoute, amen. Mais viens vous asseoir. Amen. As you sit down, you'll be testing your body. Pendant que tu es assis là, tu peux commencer à tester ton corps si tu sens encore la douleur, si tu sens encore le mal. Pas si tu sens. Pour voir que tu es guéri. Pour voir que tu es guéri. Alléluia. Amen. Parce que la foi voit ce qui n'est pas. La foi ne voit pas les obstacles. Les faits can't see obstacles. La foi voit ce que Dieu a fait. Les faits see what God has done. Alléluia. Amen. I don't want to preach long. I want to prophesy. J'ai seulement envie de prophétiser, j'ai pas envie de prêcher beaucoup. I want to tell you what God has told me. J'aimerais te transmettre ce que Dieu m'a dit. And you will see it happen. Et tu verras cela arriver. Amen. As I'm ministering, testing your body, I will take your testimony. Pendant que je suis en train de rendre un ministère, tu peux vérifier dans ton corps, je vais prendre ton témoignage. Si tu as été restauré par la prière. Because the Lord told me whenever you pray, I will do something. Parce que le Seigneur m'avait dit, partout tu prieras, je ferai quelque chose. And I've seen him work. Et je vis Dieu à faire des miracles. And people are already healed. Vous tous vous êtes guéris, ceux qui sentaient mal. Je sais que les gens sont allés guéris. And the Lord is telling me at the end I will use your healing to pray for your healing, your financial healing. Dit, le Seigneur me dit que à la fin de ma prédication, je vais utiliser ta guérison physique pour prier pour ta guérison financière. Amen. That your amen is coming from Cameroon. Ton amen là vient du Cameroun. Qu'est-ce que ça comme le Nigeria? It's coming from far. Ça vient de très loin. Quand je dis comme ça, vous chantez une fois. Tu chantes de toi. Amen. 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 Quand tu dis amen, je dis que c'est comme si ça vient de loin. Ça veut dire que tu changes une fois, tu dis tout de suite dans ce qui est mieux. Amen. Alléluia. Amen. 1 Kings chapter 18. 1 roi chapitre 19. 18. 1 Kings. 1 roi chapitre 18. Very fast. Rapidement s'il vous plaît. Verse 41. 18 verset 41. 1 Kings 1 roi chapitre 18 verse 41. I need to be in a hurry because I have to rush to the airport. Je dois faire vite parce que je le vois tout à l'heure. I'm flying back to Cameroon today. Je vais rentrer au Cameroun aujourd'hui. I came on Monday. Je suis venu lundi. And my mission is done. Et ma mission est finie. So I need to go back. Alors je dois rentrer. Wow. Do I have a 1 month visa? Malgré que j'ai un visa d'un mois. But when the mission is done, quand la mission est finie, no need to stay behind. Tu n'as plus besoin de rester. Amen. Amen. C'est qu'il y a des gens qui ne disent pas amen. Parce qu'ils savent que. Tu comprends ou non? Oui, bien sûr. 1 Roi chapitre 18, verset 41. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il dit à Acab, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Acab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet de Carmel et se pencha contre terre et il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Acab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jisrel. 26. Et la main de l'Éternel fit sur Élie et se saignit les reins et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jisrel. In verse 41. Verset 41. Elijah said, Elie dit to Ahab, Acab, he said, il lui a dit, I hear, j'entends, the sound, le son, of abundance of rain, d'une pluie abondante, I hear, j'entends, the sound, le son, of abundance of rain, d'une pluie abondante. Before this time, avant cet temps, there was dryness. Il y avait la sécheresse. Dryness. La sécheresse. Because à cause Elijah, Eli had prophesied, avait prophétisé, that there will not be rain. Il n'y aura pas de pluie. Until he will speak again. Jusqu'à ce qu'il vienne parler encore. You know the story. Vous connaissez l'histoire. So I just want to run to where I want to prophesy.
je verrai courir là où je vais prophétiser. And so there was dryness. Et alors il y avait la sécheresse. No human being. Aucun homme. Loves to be in the wilderness. Aime être dans la sécheresse. So there was like a wilderness experience. Il y avait une expérience de sécheresse. Dryness. Tout était sec. Today. Aujourd'hui. Many lives. Beaucoup de vies. Are experiencing dryness. Sont en expérimenté la sécheresse. Dryness. La sécheresse. When a woman gets married. Lorsqu'une femme se marie. And she doesn't produce children. Elle n'arrive pas à faire d'enfants. It's because. C'est à cause. Her womb. Son ventre, or the husband, ou le mari, they are experiencing, ils ont expérimenté dryness, la sécheresse. There is dryness, il y a la sécheresse, in childbearing, in childbearing, dans l'accouchement, there is dryness, il peut y avoir la sécheresse. If you do business, quand tu fais les affaires, and every day, mais chaque jour, you go to your job site, tu vas dans ton travail, and at the end of the month, à la fin du mois, you cannot pay your bills, tu ne peux pas payer tes factures. It's because there is dryness. Il y a la sécheresse. And I talk to somebody. Je parle à quelqu'un. Is he praying or is he sleeping? Est-ce que tu es en train de prier? Give him a box. Ou tu es en train de dormir? Give him a box. Alléluia. Acclame-toi pour le Seigneur. Oh, non, non. Laisse-moi le faire. Je sais que c'est toi le pasteur, mais c'est moi ton invité maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Tu dors encore, tu me donnes $30. If you sleep again, give me $30. Là, tu te concentres avec les yeux rouges? Non. Akole Bashana. Tu dors encore? Tu te concentres encore? Tu me donnes $30. Dis, I hear you. Je t'entends. C'est I hear you. Dis, je t'entends. Lève ta main, Sacha, alléluia. Et lève ta main, dis, alléluia. If you keep going to the store, si tu continues à aller dans ta boutique, and at the end of the month, et à la fin du mois, you cannot pay your bills, tu ne peux pas payer tes factures. It means that business is experiencing dryness. Ça veut dire que ces affaires-là expérimentent la sécheresse. If you get married, si tu es marié, and every day, et chaque jour, or every week, ou chaque semaine, or every month, ou chaque mois, you must fight with your husband. Tu dois te bagarrer avec ton mari. You must quarrel. Tu dois te cela veut dire que ce mariage est suffering dryness. C'est le souffrir de la sécheresse. Whatever takes away the joy. Tout ce qui peut enlever la joie dans ta vie. Whatever takes away the peace. Tout ce qui enlève la paix. Is the cause of the dryness. C'est à cause de la sécheresse. If a church. Si l'église. Does not experience testimonies. N'arrive pas à voir les nouvelles venues. Testimonies, des témoignages, of miracles, pour les miracles, of promotion, pour la promotion, of I came there and my life has changed. Et que quelqu'un vienne et dise que j'étais venu, ma vie a changé. It means the church is suffering from dryness. Pas toutes ces choses, c'est que l'église expérimente la sécheresse. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? But I prophesy. Alors je prophétise. I prophesy. Je prophétise. I prophesy. Je prophétise. As I kneel down. Je suis ici, à genoux. As I kneel down. Comme je tenais à genoux. And as you stand up. Comme tu es debout. Every dryness. Toute sécheresse. In your life. Dans ta vie. In your business. In your marriage, receive the rain. 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 Lift up your hands and say rain. Lift up your hands and say rain. Say rain. Say let the rain. Let the rain. Let the rain. Let the power of the Holy Ghost. I feel the power of God. Je ressens la puissance du Saint-Esprit. Let the rain. Dis qu'il y ait la pluie. Let the rain. Qu'il y ait la pluie. Let the rain. Qu'il y ait la pluie. Follow me. Seigneur, tombe sur moi. C'est la terreur. Qui pleut. C'est la terreur. La pluie tombe. C'est la terreur. La pluie tombe. Agaparazi, Akazala, Brodo. Alléluia. Et que t'es le bras du ciel. Alléluia. Alléluia. Comment ça dit qu'il pleuve et que la pluie tombe sur moi? Et que la pluie tombe sur moi. Bien aimé, déclare, c'est la soirée de la prière. Que la pluie tombe, que la pluie tombe. Entourez-le. Merci. And the Lord is sending you out.
Je te vois dans un cercle de la famille, le Seigneur est en train de t'enlever, de te mettre à part. Tu es dans une famille, le Seigneur te met à part. The Lord is singling you out. Le Seigneur te met à part. From among many. Parmi beaucoup and de gens de ta famille. Et te donne le témoignage. Give a good name. Pour donner un bon nom. To your family. À ta famille. Because your family. À cause de ta famille. Your family. Ta famille. Hasn't got a name. Ne porte pas un grand nom. That gives them that. Qui leur donne de frapper la porte. That can lead, Seigneur. But the Lord is going to use you. Le Seigneur veut t'utiliser toi. He's going to bless you. Il va te bénir toi. And he will give a name. Et toi tu vas donner un nom. To your family. Tu vas donner une valeur lift à ta famille. Hands. Lève ta main. By this power. Par cette puissance. Let it be established. Que cela soit établi. Oh yes. Thank you Lord. Every hindrance. Tout ce qui empêche. 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 Be destroyed. Every hindrance. Be destroyed. Kabo rugutu siya na kamara barasiya. Ebegede lebradu siya kamata la barada. Put your hand out. Let me see someone. Shana lebrogodo siya. Hallelujah. Au nom de Jésus. I rebuke every hindrance. Je commence à repousser, menacer tout ce qui empêche. Qui empêche ta destinée. Within your destiny. Cache ta destinée. Be destroyed. Que ce soit le Dieu. Cache le sang du Saint-Esprit. Yes, Lord. Shaka la bada. Yes, Lord. Elamana mana yes, mana. Lord. Yes, thank you, Lord. Yes, que le Seigneur t'établisse. Que la puissance du Saint établisse. Qui est la pluie? C'est l'intérêt. Que la pluie tombe. Give me your hand. Yes, thank you, Lord. Too much hard work. You speak English? No, no, n'est pas. Français? Français, yes. The Lord will ease your life. Amen. Le Seigneur va relever ta vie. Amen. He will ease your life. I see hard work. Je te vois, tu te bats beaucoup. I see hard work. Tu te bats beaucoup. Je vois pas. Tu n'as pas de bons fruits par malgré que tu te bats. Yeah, I see hard work. Tu travailles beaucoup. Balance. Mais tu ne gagnes pas de grandes choses. Équivalent à ce que tu travailles. The Lord is going to ease. Mais le Seigneur veut t'envoyer de t'élever. He want to ease your life. Il veut étendre ta vie. He will rendre ta vie facile. Il veut rendre ta vie facile. I break that curse. Je brise cette malédiction. I break that yoke. Je brise ce joug. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yes, thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. C'est l'intérêt. Dis qui tombe la pluie. C'est l'intérêt. Que la pluie tombe. C'est l'intérêt. Déclare que la pluie tombe. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Que la pluie tombe. Dis que la pluie. Dis que la pluie. Que la pluie. L'intérêt. Fort. Que la pluie tombe. L'intérêt. Tu es tenté de faire la prière sur toi-même, ne pèse pas dans ta bouche, tu répètes comme je dis en français. Que la pluie tombe. L'embrada yabakusha yabrados. Let the rain. Let the rain. Que la pluie tombe. Lift up your hands and shout a big amen. Et lève ta main qui est grand amen. Sit down. Thank you, Lord Jesus. And Elijah. Et Elie. Told Ahab. Il a dit à Ahab. I'm trying to walk on time. Je suis en train de courir après le temps. Come. Viens. I saw you in the spirit realm. Je te vois dans le monde spirituel. I saw you. Je te vois. Je t'ai vu. In the spirit realm. Dans le monde spirituel. And the Lord began to minister to me. Le Seigneur commence à me rendre visite. There is a calling upon your life. Il y a un appel sur ta vie. Tu and I began to ask him. Et je lui demande. In what area is it called? Il dit quel est le domaine de ton appel? Je demandais à Dieu quel est le domaine de ton appel? Because the Lord said. Parce que Dieu me dit. There is a call upon your life. Tu es un appelé de Dieu. And then I should pray for you. Et je dois prier pour toi. Et que je prie pour toi. Que je prie pour toi. And I asked the Lord. Et je demandais au Seigneur. What is the area of his calling? Quel est le domaine de son appel? And the Lord said. Le Seigneur m'a dit. He is called for consolation. Il est appelé pour consoler le cœur des gens. Amen. He is called for consolation. Il est appelé pour la consolation. For consolation. Il est appelé pour la consolation. I don't know how God will do it. Je ne sais pas comment tu vas le faire. But by the mantle of Jehovah. Mais par le manteau de l'Éternel. Upon my life.
main sur ma vie. Upon your pastor's life. Sur ton pasteur. I will pray for you. Je prierai pour toi. But you must remain submissive. Alors tu dois rester soumis. To authority. À ton autorité. And the Lord will use you. Et Dieu va puissamment t'utiliser. To bring consolation. Pour apporter la consolation. In different areas. Dans les domaines, beaucoup de domaines. Amen. Par la grâce. Je sois. Tant que le Seigneur a relâché sur moi, I release upon you. Je le relâche aussi sur toi. Let the fire, que le feu, let the fire, que le feu, let the fire, que le feu, burn. Que le feu brûle en toi. Adoros, oh yes, yes. Yes, Lord. Que le feu brûle en toi. Emparato, hey, yes. Jatukata, yes, Lord. Ebararara, ebalala, thank you, Lord. Yes, yes. Yes, thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Stay humble. Restez humble. The Lord said, et le Seigneur a dit, breaking out, brisé, coming out of a ministry, sorti de ministère, to open your own, pour ouvrir ta part d'église, out of rebellion, après la rébellion, pushed by rebellion, poussé par la rébellion, you break out. Tu casses l'église pour as sortir. You are here now, comme tu es ici par exemple. You go to talk to people. Tu vas parler aux gens. I want to begin my own. Je veux commencer mon église. And you break out. Après tu te rebelles, tu pars. And you start your own. Et tu commences ton ministère. He said that person is under a curse. Il dit cette personne est sous la malédiction. This one is a warning. Ça c'est un avertissement. When you break out, lorsque tu te rebelles, you are under a curse. Tu es sous une malédiction. Because parce que God is not in breaking out. Dieu n'est pas dans la rébellion. God, if God calls you out, si Dieu t'appelle à sortir, he will speak to him, il va parler à ton pasteur, or to whoever you are, celui qui a sous qui tu es, and he will release you, il va te relâcher, with a blessing, avec une bénédiction, and those who follow you, alors ceux qui vont te suivre, will be blessed, seront bénis. If you follow a man who is cursed, si tu suis une personne qui est maudite, it doesn't matter how you may flourish now, peu importe comment tu vas fleurir maintenant, but time will tell. Mais le temps va nous dire. As I went to the toilet, dès que j'étais dans la toilette, and the Lord just told me, le Seigneur m'a dit quelque chose. He says, say this, il dit ceci, as a warning, comme un avertissement. The Lord, not now, pas maintenant. When I went on the altar, quand tu étais là sur l'autel, when I went on the altar, quand j'étais sur l'autel, the Lord asked me to tell you, le Seigneur me demande de te dire. He said, you haven't seen anything. Et tu n'as pas encore vu. You haven't seen anything. Jusque là, tu n'as pas encore vu de tout ce que Dieu prépare pour toi. With what? Tu parles avant moi. Go ahead. Applaudissez pour le pasteur. Alléluia. Amen. You haven't seen anything yet. Tu n'as pas encore beaucoup vu. I pray. Je prie that the Lord will keep you connected to him. Que le Seigneur te garde connecté à lui. You will be marveled. Tu seras émerveilleux. Pray for you. Que je prie pour toi. Let this be accomplished in your life. Soit accompli dans ta vie. Let the Lord take you places you never dreamed of. Que le Seigneur t'amène dans les endroits que tu n'as pas rêvé. Let him lift you up beyond your imagination. Il t'élève au-dessus de ton imagination. As he has said. Il a dit. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. If I don't even talk to you directly. Même si je ne parle même pas d'une manière directe, le fait que tu es dans ces salles, la pluie va tomber sur ce qui est sec. Alléluia. If marriage was difficult, si le mariage était difficile, after this encounter, après cette réunion, with the rain, avec la pluie qui tombe, you will become attracted. Les hommes vont commencer à courir vers toi. Yes. It will become easy. Ça deviendra facile. And so Elijah, alors Elie, told Ahab, il a dit à Cab, prepare, il est prêt de toi, your chariot, commence à préparer ton chariot, chariot, ton chariot, the kings, le roi, hand chariot, ils ont le chariot, the best, ils ont le meilleur, because if there is a war, parce que s'il y a la guerre, and the king needs to run, et que le roi doit fuir, he should be able to run with speed, il doit courir avec vitesse. So the king, alors le roi, had the best chariot, il a un de beaux chariots, and so he prepared, alors il a prêté ses chariots, and began to run, et il a commencé à courir, and the Bible says, et ma Bible déclare, Elijah, Elie, was at the place of prayer, il était en train de prier, you are at the right place this morning, tu es au bon endroit maintenant, you are the place of prayer, tu es à l'endroit de la prière. Your friends have gone ahead. Tes amis sont avancés. The
affaires. They have gone ahead in things. Ils t'ont précédé dans le foyer. But you are waiting on God. Et toi, tu attends à when Elijah, mais lorsque Elie, when he finished, lorsqu'il a fini de prier, running, il a commencé à courir. With his tools, avec ses pieds. Il y a des Mercedes. Il n'avait pas de Mercedes. Il y a des Mercedes. Il y a des Mercedes. Il y a aussi les piédesses. À Yamanasia. Il y a les gens qui ont. Pour l'instant, vous avez les piédesses. Mais les Mercedes vont arriver. Il dit ceci. Il y a les Mercedes. Il y a aussi les piédesses. Donc les pieds sont les piédesses. Il y a des passes Mercedes. Il y a des passes. Il y a les gens qui ont les piédesses maintenant. Il y a les gens qui ont les piédesses. Je ne joue pas. Je suis en train de prophétiser. Yes, yes. Il y a des gens maintenant qui ont les piédesses. Yeah, mais dans bientôt, vous aurez les Mercedes. Maracoucou à Siada. Elijah. Eli. Began running. Il a commencé à courir. Using his legs. Utilisant ses pieds. Ahab. Akab. Was using horses. Il utilisait les chevaux. Horses speaks of help of man. Les chevaux sont là pour aider l'homme. It speaks of the help of man. Ça court vite à partir ça de parle de l'aide qui vient de l'homme. Ça parle de l'aide qui vient de l'homme. Horses. Les chevaux. Speaks of the help that comes from man. Ça parle de l'aide qui vient de l'homme. But Elijah. Mais Elie. Did not have a help. Il n'avait pas quelqu'un pour from aider. Any man. From any man. Venant de l'homme. He began to run. Il a commencé à courir. From the place of prayer. À partir de l'heure de la prière. From this house. À partir de cette maison. God will lift you up. Dieu va te lever. From this house, partir de God will lift you up. The God you serve, le Dieu que tu sais, is a mighty God. Il est puissant. When he lifts you up, il te lève. No man can bring you down. Oh, in this decade, oh, God will lift you up. Va te lever. I said, God will lift you up. Va te lever. God will lift you up. Va te lever. God will lift you up. Va te lever. God will lift you up. Et la Bible dit, as Elijah, comme Elie, I'm happy, je suis content, because I'm too much here, parce que je suis presque à la fin, and the time is not against me, et le temps n'est pas contre moi, merci, hallelujah, but the next time I come here, la prochaine fois je viendrai ici, you will testify, tu vas témoigner, some of you will be struggling, certains parmi vous maintenant sont en train de souffrir peut-être, no, when I come, quand je viens, you, some of you will be fighting. Certains seront en train de bagarrer. To carry me in your car. Ils vont jusqu'au bagarrer. Je vais déporter ma voiture. Je vais déporter ma voiture. Ils vont dormir chez moi. Ils vont passer. Je vais dormir chez moi. 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 In the name of Jesus. Amen. Doors that were closed before. Doors that were closed before. Les gens qui étaient proches. Doors that were closed before. Doors. À l'époque, qui était fermé. Il est silencieux. Si tu vas quand des pasteurs en ministère là, c'est très puissant. Applaudissez pour votre pasteur. Doors that were closed before. Les portes qui étaient fermées avant. Under the sound of my voice. Sous le son de ma voix. They are opening. Ça s'ouvre au nom de Jésus-Christ. They are opening. Ça a été de s'ouvrir. The Lord said. Le Seigneur dit. When they rejected you before. Là où on t'avait rejeté avant. When you go back. Quand tu vas repartir. After this encounter. Après cette réunion. You will have a testimony. Tu auras un témoignage. You will have a testimony. Tu auras un témoignage. You don't serve a dead God. Hey. You don't serve a dead God. You serve a living God. Tu ne sers pas un Dieu mort, mais tu sers un Dieu. He's the same yesterday. Il est le même. He's the same today. Il est le même. He's the same forever. Il est le même toujours. Lift your hands and shout hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and shout hallelujah. Hallelujah. Elijah. Elie. Began to run. Il a commencé à courir. And the Bible says. Et la Bible déclare. The hand of the Lord. La main de l'Éternel. Came upon him. Est venue sur lui.
And when the hand of the Lord came upon him, lorsque la main de l'Éternel venue sur lui, he used the very legs, il a utilisé les pieds, the same legs, les mêmes pieds, that he was using, qu'il utilisait, and he was still behind, et qui avant il utilisait ses pieds, il était toujours derrière, the same leg, les mêmes pieds, yes, yes. Go ahead, son. Yay. Hallelujah, hallelujah. Go ahead, sir. The same business. Les mêmes affaires que tu fais. Abalamosia. The same you. La même personne que tu es. He used the same leg. Il a utilisé les mêmes pieds. The same place where you were despised. Le même endroit où tu étais désespéré. He used the same leg. Il a utilisé les mêmes pieds. Because the hand of God, mais parce que la main de Dieu came upon that est venue sur ce pied. Alléluia, go ahead. Speed, la rapidité was released. Amen. Il était relâché. Il a couru. And overtook. Et il a dépassé. The first prophecy. La première prophétie. Is that. C'est que. After today. Après aujourd'hui. You will overtake those who went ahead of you. Tu vas rattraper ceux qui t'ont dépassé. It's about who will get there first. Yes, sir. It's about who will get there first. C'est le problème de qui va arriver avant l'autre. I see you arriving first. Je te vois arriver le premier. I see you arriving first. Le premier. I see you arriving first. Le premier. In your business, you will arrive first. Dans tes affaires, tu vas arriver le premier. In your career, you will arrive first. Dans ta carrière, tu vas arriver le premier. In your marriage, you will arrive first. Ce n'est pas le problème de qui a commencé, mais c'est le problème de qui va arriver avant l'autre. Alléluia. Je clôture. God bless you, sir. Thank you, sir. God wanted me to be here this morning. Le Seigneur avait voulu que je sois ici aujourd'hui. He knows I was to be in Rivers, Istanbul. Il sait que je sais qu'on l'avait invité.